Des individus armés non identifiés ont attaqué jeudi un bus de Shell, tuant deux policiers et se repliant avec deux employés de la compagnie pétrolière. Omoni Nandi, le chef de la police de l'État de Rivers, a expliqué samedi à l'AFP que les agents de police escortaient dans un minibus des employés de la compagnie Shell, dans le district de Rumugi, non loin de Port Harcourt. Nous faisons tous les efforts possibles pour assurer la libération des personnes enlevées, a signalé le chef de la police. Nigeria, Shell ferme un de ses sites exécution des 9 Ogoni, plainte contre Shell. L'officier a rappelé que, par le passé, plusieurs employés de compagnies pétrolières avaient été enlevés puis libérés quelques jours après contre des rançons. L'enlèvement des deux employés a été confirmé par la Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited, SPDC, la filiale nigériane de Shell. Le chauffeur d'un car a également été tué jeudi et une douzaine de passagers enlevés par des individus armés dans l'État de Rivers.